Bonjour, il n'y a pas d'âge pour se mettre à l'informatique. À Riaillé, 6 retraités ont suivi récemment des ateliers d'initiation à l'informatique, des ateliers proposés par l'espace multimédia du pays d'Ancenis, afin de désacraliser l'ordinateur et d'appréhender rapidement la recherche d'informations sur Internet. La demande, on la voit lors des permanences qu'on fait sur le territoire, où beaucoup de personnes viennent nous voir avec un nouvel ordinateur, avec des petits soucis quotidiens dans la prise en main de l'ordinateur. Du coup, on peut répondre ponctuellement sur des demandes concrètes sur les permanences. Par contre, quand il y a un besoin plus important d'une prise en main plus générale, là, on passe par des ateliers. Sentez une demande et puis très vite, sur Riaillé, par exemple, le groupe de le groupe de 6 personnes s'est rempli très rapidement et il y aurait même eu de quoi constituer de groupes. En grand débutant, les ateliers s'adressent aux deux situations, je dirais les personnes qui partent vraiment de zéro et puis les personnes qui bricolent un petit peu chez elles, qui ont appris un peu par elles-mêmes et puis qui ont besoin de consolider un socle de base plus solide pour être un peu plus rassuré dans l'utilisation de l'ordinateur. On considère qu'aujourd'hui, pouvoir manipuler un ordinateur, accéder à Internet, c'est quelque chose qui est aussi important que de savoir lire, écrire ou compter. Donc la Compa propose ces ateliers-là gratuitement. Tout, c'est tout, hein, parce que bon, moi, c'est Ziratech, c'est tout ça. Oui, c'est on est à la retraite là, maintenant, alors bon, il faut s'occuper. Non. Ça va venir tout doucement. Petit à petit, je m'y suis mis en regardant et en essayant, bon, c'est là comme ça qu'on apprend, quoi. Les difficultés, c'est pour envoyer un mail et pour envoyer un courrier, dicter un courrier, quoi. C'est surtout la difficulté. Donc il y en a ici, il y en a eu à Trans-sur-Erdre, il y en a aussi à Jouy-sur-Erdre. Donc voilà, donc c'est proposé par l'espace multimédia du pays d'Ancenis. On avait des personnes qui sont jamais venues à la bibliothèque de Riaillé, donc c'est une occasion de découvrir. Et maintenant, la bibliothèque n'a plus que vocation à être un lieu où on emprunte des livres. C'est aussi un lieu d'animation, un lieu de lien social, de rencontres, de propositions d'animation qui n'ont pas forcément un rapport avec le livre. Donc ça correspond tout à fait à nous, ce qu'on veut développer dans les bibliothèques. Et d'autres ateliers sur la photo numérique cette fois seront proposés en mai, juin et en septembre prochain, toujours à Riaillé.